These people speak French. In this course, everybody speaks French. Commençons par mes parents. Don't be concerned if you can't understand what they say at first. Voilà mon père et ma mère. Listen, watch, and get involved. Voilà. Pretty soon you will figure out what's going on. And be able to say a few things in French yourself. The train arrives in Chartres right on time. Robert and Mireille have a bite to eat and then visit the cathedral together. Robert is deeply moved by the beauty of the place and of his companion. But when she leaves briefly to visit a nearby museum, he imagines he's being betrayed. Eh bien, dis donc, le train est arrivé à l'heure pile. Bah évidemment, les trains sont toujours à l'heure en France. Ils sont très ponctuels. Ils partent exactement à l'heure, ils arrivent exactement à l'heure. Toujours? Bah oui, toujours. Enfin, presque toujours. Oh, tu as faim? Quelque chose rapidement dans un café en face. Tiens là-bas. Bonjour, madame. Moi, je prendrai juste une assiette de crudité. Oui? Pour moi, une assiette de charcuterie, s'il vous plaît, et un petit pichet de vin. Rouge. Merci. Et une carafe d'eau, s'il vous plaît. Oui, mademoiselle, tout de suite. C'est sympa. Oui. J'ai pas trop de... L'assiette de crudité, l'assiette de charcuterie, le pichet de vin rouge. Voilà, bon appétit. Et une carafe d'eau, s'il vous plaît. Oui, mademoiselle. Tu veux du vin? Non, merci. Non? Je vais boire tout seul. Voilà, merci. Ton musée est près de la cathédrale? Juste à côté. On va prendre un taxi. Bah, tu plaisantes. C'est tout près. On y va à pied. C'est à 10 minutes au plus. Au moment où ils vont traverser la promenade des Charbonniers, ils assistent à un accident. Un vélomoteur qui sort trop vite d'une rue latérale heurte une camionnette qui, heureusement, roule très lentement. Le cycliste est projeté par-dessus le capot sur le trottoir d'en face, juste devant une pharmacie. C'est rien. Vous ne vous êtes pas fait mal? Non, non, ça va. Oh ben, je suis bien tombée. Ça va, sûr? Ça va, merci. C'est très beau. Robert et Mireille sont maintenant devant la cathédrale. Ils admirent les portails. Là, tu as tous les apôtres. Ils ont de belles têtes. Là, c'est le Christ.
Tu vois avec les pieds posés, là, sur des lions. Tu as vu tous ces monstres? Oui, ça, c'est l'enfer. Ce côté, c'est l'enfer, et de l'autre côté, c'est le paradis. L'intérieur de la cathédrale, tu veux? Tu ne vas pas au musée? Oh, si, tout à l'heure. J'ai le temps, il n'est même pas 2 heures. Il y a très peu de monde dans la cathédrale. Quelqu'un joue du Bach à l'orgue. La lumière qui traverse les vitraux de la rosace projette des taches multicolores sur les dalles et sur les énormes piliers. Un rayon illumine un instant les cheveux blonds de Mireille. Robert est très ému. Je vais y aller. Voyons, il est 2 heures, je te retrouve ici dans 1 heure, à 3 heures pile. D'accord? D'accord. À tout à l'heure. Robert admire le portail royal, les statues-colonnes des rois et des reines avec leurs longs cheveux. Puis il va regarder les magasins qui vendent des cartes postales, des cuivres, des guides, des dentelles, toutes sortes de bibelots. Il se demande s'il ne pourrait pas acheter un petit cadeau pour Mireille. Mais il n'ose pas. Juste à ce moment, Robert croit voir Mireille qui sort du musée. Elle se trouve tout près d'un très beau jeune homme blond qui a l'air suédois. Elle remarque tout de suite sa silhouette sportive et ses jambes musclées. Il porte un short bleu extrêmement court. Elle trouve son visage agréable et lui sourit. Il lui rend son sourire et ils disparaissent derrière l'abside. Quelques instants plus tard, Mireille arrive comme une fleur devant le portail royal. Tu vois, je suis ponctuelle, c'est comme les trains. Je suis même en avance, il est que 2h59. À ce moment, Robert remarque le beau Suédois qui démarre bruyamment dans une Alpine rouge. Voyons où nous en sommes. D'abord, la question de ponctualité. Il y a 3 possibilités. En avance, à l'heure, en retard. Vous avez rendez-vous à 7 heures. Vous arrivez à 7h moins 10. Vous êtes en avance. Vous arrivez à 7 heures, vous êtes à l'heure. Vous arrivez à 7 heures et quart, vous êtes en retard. Regardez Mireille, elle est pressée parce qu'elle va être en retard. Manuel, on va être en retard. On part dans 5 minutes, vite. Regardez Robert,
Il arrive en retard. Écoutez, est-ce que cette personne est à l'heure? Excusez-moi, je suis en retard. J'avais un rendez-vous, alors je n'ai pas pu faire autrement. Non, ce n'est pas grave. Mais alors, vous avez l'heure? Si vous me dites qu'il est 2h, c'est que je suis en retard. Mais vous êtes en retard, monsieur. Ici, Mireille n'est pas en retard. Elle est même en avance. Je suis même en avance, il n'est que 2h59. Regardez Robert ici, il est en avance. Il avait rendez-vous avec Mireille à 10h et il arrive à 10h-10. Il est en avance. En France, les trains sont ponctuels. Ils partent exactement à l'heure. Ils partent à l'heure pile et ils arrivent exactement à l'heure. Les trains sont aussi exacts qu'une horloge. Si vous connaissez les horaires des trains, vous n'avez pas besoin de montre. Vous n'avez pas besoin de montre pour faire cuire les œufs à la coque. Tenez, regardez cette publicité de la SNCF. Germain, c'est le 824, mets les œufs. Germain, c'est le 413, tu peux les retirer. Le train, pour être exact. Évidemment, c'est de la publicité. Mais demandons à cette personne ce qu'elle en pense. Est-ce que les trains sont ponctuels en général? Ils sont très ponctuels. Ils arrivent toujours à l'heure? Toujours à l'heure. Et ils partent aussi toujours à l'heure? Et ils partent toujours à l'heure, oui. Maintenant, écoutez bien cet échange entre Mireille et Robert. Écoutez bien ce que dit Mireille. Ensuite, répondez à Robert comme si vous étiez Mireille. Eh bien, dis donc, le train est arrivé à l'heure pile. Bah évidemment, les trains sont toujours à l'heure en France. Ils sont très ponctuels. Ils partent exactement à l'heure, ils arrivent exactement à l'heure. Toujours? Bah oui, toujours. Enfin, presque toujours. Maintenant, à vous. Répondez à la place de Mireille. Eh bien, dis donc, le train est arrivé à l'heure pile. Bah évidemment, les trains sont toujours à l'heure en France. Bah évidemment, les trains sont toujours à l'heure en France. Bah évidemment, les trains sont toujours à l'heure en France. Toujours? Oh oui, toujours. Enfin, presque toujours. Oh oui, toujours. Enfin, presque toujours. Oh oui, toujours. Enfin, presque toujours. Ensuite, il est question de manger. Encore? Oui, c'est très important. Mireille et Robert vont déjeuner rapidement. Bon, allons manger quelque chose rapidement dans un café en face. Mireille prend une assiette de crudité. C'est très régime. Une assiette de crudité, c'est essentiellement des légumes, de la salade, des tomates, des concombres, des carottes. Des tomates, des concombres, des carottes crues, pas cuites, crues, comme la côtelette, vous vous rappelez. Robert prend une assiette de charcuterie. C'est moins régime. Essentiellement du jambon, du pâté, du saucisson. La charcuterie, tout ce qui est fait avec de la viande de porc. Robert demande un pichet de vin rouge. Et un petit pichet de vin. Oui, monsieur. Il l'a tout de suite. Le pichet de vin rouge. Mireille demande une carafe d'eau. Et une carafe d'eau, s'il vous plaît. Ça, c'est plus difficile à avoir. Et une carafe d'eau, s'il vous plaît. Un pichet, une carafe de vin, une bouteille, une demi-bouteille. Observez. Une assiette de crudité, une assiette de charcuterie, un pichet de vin, une carafe d'eau, une bouteille de muscadet, une douzaine d'huîtres, une assiette de crudité, une assiette de charcuterie, un pichet de vin, une carafe d'eau, une bouteille de muscadet, une douzaine d'huîtres. Ensuite, Robert et Mireille vont à la cathédrale à pied. Ils y vont à pied parce que ce n'est pas loin, c'est à 10 minutes au plus. C'est à 10 minutes au plus? Au plus, au maximum. Pas plus de 10 minutes, peut-être moins. Observez ce que dit Robert ici. Quel âge vous croyez que j'ai? 7-8 ans, au plus. Non, j'ai 10 ans. Ensuite, nous avons un accident. Robert et Mireille assistent à un accident. Ils voient un accident. Voilà des gens qui assistent à une cérémonie.
Robert et Mireille assistent à un accident. Il s'agit d'un vélomoteur, une petite motocyclette. Une mobilette, un vélo Solex, un vélomoteur et une camionnette. Un petit camion. Le vélomoteur heurte la camionnette. Le cycliste est projeté par-dessus le capot de la camionnette. Le capot. Le garagiste soulève le capot de la voiture. Heureusement, la camionnette ne roulait pas très vite. Ici, la voiture ne roule pas. Elle est arrêtée. Ici, elle roule. Quand on roule trop vite, c'est dangereux. Regardez. Heureusement, le cycliste ne s'est pas fait mal. Vous ne vous êtes pas fait mal ? Il ne s'est pas fait mal. Regardez Marie-Laure ici. Elle va se faire mal. Aïe ! Oui, oui, oui. Tu t'es fait mal ? Un peu. Elle s'est fait mal. Elle a mal. Oh, casse-toi, merde. Con, tu m'as fait mal. Il s'est fait mal. Regardez Marie-Laure ici. Elle a mal partout. Oh, j'ai mal au cou, j'ai mal aux doigts, j'ai mal aux jambes. Regardez cet enfant, il a mal. Ça t'a fait mal, là ? Oui. Le cycliste est tombé sur le trottoir. Le trottoir. La rue. Regardez bien ici. Les passants sont sur le trottoir ou dans la rue ? Dans la rue. Et ici, ils sont sur le trottoir. Le cycliste est bien tombé. Il est tombé juste devant une pharmacie. Une pharmacie où on vend des médicaments. Maintenant, nous allons visiter la cathédrale avec Mireille et Robert. Mireille doit aller au musée, mais elle n'y va pas tout de suite. Elle va y aller tout à l'heure. Tu ne vas pas au musée ? Aussi, tout à l'heure. J'ai le temps, il n'est même pas 2 heures. Pas tout de suite, tout à l'heure. Va faire tes devoirs. Oh, tout à l'heure. Non, pas tout à l'heure. Maintenant. Tout de suite. Je pars demain. Enfin, tout à l'heure. Mireille ira au musée tout à l'heure. Pour l'instant, elle fait le tour de la cathédrale avec Robert. Ils admirent la façade, les tours, l'abside, les arcs-boutants, les sculptures, les portails. Il y a 2 sortes de portails. Ça, c'est un portail, par exemple. Ça aussi, c'est un portail. Ce sont des portails de maisons particulières, comme ici aussi. Je t'accompagne, tiens. Non, non, continue. Je peux ouvrir le portail toute seule. Ça, c'est une sorte de portail. Et puis, il y a les portails d'église et de cathédrale. Voilà un portail d'église romane. Le portail de la cathédrale de Reims. Le portail ouest de Chartres. Le portail sud. Et tu as tous les apôtres. Ils ont de belles têtes. Là, c'est le Christ. Tu vois, avec les pieds posés là sur des lions. Tu as vu tous ces monstres ? Oui, ça c'est l'enfer. De ce côté c'est l'enfer et de l'autre côté c'est le paradis. Ils admirent les rosaces. La rosace ouest vue de l'extérieur. La rosace vue de l'intérieur. Ça c'est la rosace ouest de Notre-Dame de Paris. Et puis ils admirent les vitraux. Un vitrail, des vitraux. La lumière, les rayons de lumière, passent à travers les vitraux. Ça fait des taches de couleur sur les piliers et les cheveux de Mireille. Robert est très ému. Son cœur bat, ça fait toc, toc, toc. C'est l'émotion religieuse. Elle est émue parce que son fils lui apporte un cadeau. Il est ému. Maintenant, Mireille va aller au musée. Elle donne rendez-vous à Robert dans 1 heure. Il est 2 heures, elle retrouvera Robert dans 1 heure, c'est-à-dire à 3 heures. Bon, je vais y aller.
Voyons, il est 2 heures. Je te retrouve ici dans 1 heure, à 3 heures pile. D'accord? D'accord. J'y vais. À tout à l'heure. À tout à l'heure. À tout à l'heure, ma puce. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Et Mireille s'en va. Robert regarde les reines du portail avec leurs longs cheveux, blonds, évidemment. Puis il regarde les magasins qui sont autour de la cathédrale. Il voit toutes sortes de petits bibelots, de petits objets, des souvenirs. Il y a des bijoux, des cuivres, des objets en cuivre, des poteries. Voilà des poteries, des pots, des objets en terre cuite, des cartes postales, des vêtements, des jupes, des robes. Voilà des vêtements. Il y a des dentelles. Il pense à acheter quelque chose pour Mireille, mais il n'ose pas. Regardez Robert ici. Il se demande s'il devrait prendre la main de Mireille, mais il n'ose pas. C'est le verbe « oser ». Observez cette scène d'un film policier. Voyons si vous reconnaissez le verbe « oser ». Ah, vous auriez pu me le dire plus tôt. Alors ? Je n'ai pas osé, j'avais peur de me compromettre. Pendant que Robert regarde les vitrines des boutiques, il se passe quelque chose de bizarre. Robert croit voir Mireille qui sort du musée. Il croit la voir. Il n'est pas sûr. Ce n'est pas clair. Ce n'est peut-être pas elle, c'est peut-être quelqu'un d'autre. Ou bien c'est peut-être une illusion. Il croit voir Mireille qui se dirige vers le jardin qui est derrière la cathédrale. Elle va dans la direction du jardin. Il croit qu'il la voit arriver près d'un jeune homme qui a les jambes musclées. Musclées, voilà un homme musclé. Il n'est peut-être pas très intelligent, mais il a beaucoup de muscles. Robert croit voir Mireille qui disparaît avec le jeune homme derrière l'abside de la cathédrale. L'abside, voilà l'abside de la cathédrale de Chartres. L'abside de Notre-Dame de Paris, une abside gothique. Voilà une abside romane. Mireille et le jeune homme disparaissent. On ne les voit plus. C'est le verbe disparaître. Regardez, Mireille est là. Maintenant, elle n'y est plus. Elle a disparu. Hop, elle a disparu. Ah, la choucroute a disparu. Et regardez ici, il y a des nuages et maintenant, il n'y a plus de nuages. Les nuages ont disparu. Voyons si vous reconnaissez le verbe disparaître dans cette scène d'un film policier. Avant de prendre l'avion, l'homme l'a abandonné quelques instants, je suppose pour téléphoner à un complice et lui dire que tout s'était bien passé. Quand il a raccroché, le gosse avait disparu. L'enfant avait disparu. Il n'était plus là. Toute cette histoire, ce n'est pas très clair. Est-ce que Robert a vu Mireille ? Est-ce que c'était elle ? Ou est-ce qu'il a imaginé que c'était elle ? Ça, je ne sais pas. Est-ce que Robert est jaloux ? De toute façon, quelques instants plus tard, Mireille arrive comme une fleur. Elle arrive comme ça, comme une fleur, à l'aise, naturelle, sans problème, souriante, tout va bien. Tout va bien, oui, mais Robert remarque le jeune homme qui démarre bruyamment dans une magnifique alpine rouge. Il démarre avec beaucoup de bruit. C'est le verbe démarrer. Il démarre. Démarre. Bon, voilà, eh bien c'est parti. Alors, ça vous plaît, Chartres ? C'est intéressant, non ? Bien sûr, c'est intéressant. Bon, eh bien maintenant, voyons si vous vous rappelez quelque chose. Écoutez, réfléchissez et parlez. Regardez ce train. Est-ce que vous croyez qu'il part en retard, en avance ou à l'heure ? À l'heure. Marie-Laure s'en va. Elle va revenir dans un moment. Qu'est-ce que vous lui dites ? À tout à l'heure, ma puce. À tout à l'heure. Regardez bien, qu'est-ce que c'est ? Une assiette de crudité ou une assiette de charcuterie ? Une assiette de crudité.
Et ça, c'est une assiette de crudité ou une assiette de charcuterie? C'est une assiette de charcuterie. Et ça, c'est une carafe d'eau ou un pichet de vin? Une carafe d'eau. Ça, c'est une bicyclette ou un vélomoteur? Un vélomoteur. Ça, c'est une pharmacie ou une charcuterie? C'est une pharmacie. Ces gens sont dans la rue ou sur le trottoir? Sur le trottoir. Et ça, c'est un vitrail ou un portail? Un vitrail. Et ça, c'est une abside ou un portail? Un portail. Et ça, qu'est-ce que c'est? Un portail. Un vélomoteur heurte une camionnette. Qu'est-ce que c'est? Un accident. C'est un accident de la circulation. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, regardez bien. Vous allez assister à un accident. Robert, Mireille. Et voilà, mesdames et messieurs, vous avez assisté à un accident de la circulation. Voilà, c'est fini. Au revoir.